Bună ziua tuturor din nou! Astăzi vă voi spune câteva cuvinte despre, despre lucrarea pe care am intitulat-o Timp și identitate în literatura creolă antilelor franceze sau poate mai curând ar fi mai just să-i spunem a literaturii creolității din antilele franceze. La fel ca și colegii mei, cred că subiectele pe care am vrea să le abordăm sunt foarte ofertante, dar voi încerca să mă limitez numai la principalele coordonate ale acestei lucrări. Din păcate, eu mi-am pregătit prezentarea în franceză, dar vom merge în continuitatea prezentărilor de astăzi și voi prezenta în română câteva aspecte despre această temă. Deci vom începe prin câteva detalii despre contextul istoric și cultural. Vă rog! Mă auziți? Da. Si vous voulez continuer en français, c'est préférable parce qu'on a ici Sophie Bartels et pour honorer sa présence, j'aimerais bien si vous continuez en français. Oui, bien sûr, aucun problème. Merci. Alors, oui, bien sûr. Je vais parler un peu de ce thème, de ce sujet de temps et de l'identité dans la littérature, de la créolité qu'on voit dans les Antilles françaises. Sur ce diapo, je vais dresser une liste des aspects des titres principaux que je vais approcher dans les minutes qui suivent. Alors, je vais vous parler un peu du contexte historique et culturel. Mieux comprendre l'émergence de ce type de littérature. Après, on va approcher les concepts de négritude et créolité. Je vais dire juste quelques mots sur le rapport entre la créolité et la francophonie aux Antilles françaises. Et après, en final, quelques mots sur les mythes qu'on y rencontre. Alors, les Antilles françaises ont été découvertes par Colomb au XVe siècle. La première île a été Guadeloupe et après la Martinique. On voit que les Espagnols ont quelque sorte négligé ces îles. Ils ont fait place à la France, qui a fait main basse sur ces îles en 1635. Et ce qui se passe après est que le colon français a mené des actions qui ont contribué à l'extermination de la population autochtone. Les Caraïbes, aussi appelés les Arawaks. Alors, cette population a été exterminée et parce que les Français ont voulu cultiver ces îles, ils ont eu raison d'une nouvelle manœuvre. Et c'est dans ce contexte, dans le contexte de commerce triangulaire qu'ils ont y apporté des esclaves noirs de l'Afrique. Le nombre des esclaves a augmenté avec le temps. Les révoltes ont commencé et pour régler les relations entre les esclaves et leurs maîtres, le roi Louis XIV a promulgué ce qui s'appelle le Code Noir. Alors, c'est un ensemble de normes qui règle les relations entre les deux parties, qui veut en quelque sorte s'assurer que les esclaves ont de bonnes conditions de vie. Mais toujours est-il, beaucoup d'interdictions ont été mises en place. Par exemple, les esclaves n'avaient pas le droit à l'instruction, n'avaient pas le droit de parler le français. Et ce qui est plus grave est qu'ils n'avaient plus le droit de parler leur langue maternelle. Et on va voir que c'est dans ce contexte que se développe la langue créole, aussi appelée la langue plantationnaire, puisque c'est la langue des esclaves qui travaillaient sur les plantations de tabac, de canne de sucre, de cacao, etc., des Antilles françaises. Ce n'est qu'en 1848 que l'esclavage a été aboli, et quelque chose de paradoxal arrive. Les anciens esclaves, déjà, veulent apprendre le français, vers s'éduquer en français, puisque le français, ou plutôt les marqueurs de la culture du colon, c'est leur billet vers une nouvelle vie, vers une meilleure vie. Du coup, ce qui arrive, c'est qu'on voit qu'ils vont donner, ils veulent donner à l'oubli leur culture créole. Déjà, on peut l'appeler culture créole, et pas culture noire, pas culture africaine. Et pour ressusciter, pour réveiller leur conscience, Aimé Césaire
un homme politique et un écrivain martiniquais, expression française, fait plusieurs démarches culturelles, politiques aussi, pour ressusciter leur conscience d'être noir, leur conscience de leur passé. Il invente le terme négritude, qui est, on voit, un ensemble de valeurs culturelles, spirituelles, revendiquées par des noirs comme leur étant propres. Et ils vont ressusciter cette prise de conscience de l'appartenance à cette culture spécifique. Ce concept a été, voilà, utilisé pour la première fois dans une revue française qui s'appelle L'étudiant noir, qui a été fondée par des étudiants français qui, on verra, sont des écrivains connus de la négritude, comme Aimé Césaire, Léopold Senghor, Léon Damas et des autres. Et comme on a vu, ce concept, quand je parle d'eux, il veut revaloriser l'identité noire et la culture contre l'assimilation de la France à la France. Ce concept apparaît en quelque sorte en contradiction, en opposition avec le concept de francitude, et qui désigne en quelque sorte le conflit entre les deux familles de valeurs. Se le revendique à l'Afrique, qui est vue comme la terre natale. Et en fait, la philosophie, l'idée centrale de cet ensemble des valeurs, de cette façon de penser, est que tous les Noirs du monde partagent le même destin, un destin voué à la souffrance. Historiquement, on constate l'apparition, l'émergence d'un autre concept qui est très important et, je dirais, plus important pour notre présentation, celle de la créolité, qui a été un mouvement tout d'abord culturel et un subsidiaire littéraire de défense des valeurs culturelles et spirituelles propres aux créoles des Antilles françaises. Les auteurs Jean Bernabé, Raphaël Confiant et Patrick Chamoiseau publient un essai qui s'appelle Éloge de la créolité, qui se situe dans l'héritage d'Édouard Glissant, le promoteur de l'antillanité, et qui se propose, qui a pour ambition de dépasser la négritude et l'antillanité, et pour valoriser la culture locale émergée de l'intersection. Des habitudes et des gestes culturels des populations qui y ont habité. Dans l'ouvrage La créolité, Raphaël Confiant marque les tâches de l'écrivain créole, à savoir, on voit sur le diapo, l'enracinement dans l'oral, la mise à jour de la mémoire vraie, la thématique de l'existence, voilà, reliée à celle de l'émotion et de l'expression de l'émotion, l'irruption dans la modernité, le choix de sa parole et la diversalité, un concept qui va dans la continuation de la philosophie glissantienne de l'universalité, un concept de point de vue sémantique assez paradoxal, puisque lorsqu'on dit universel, on tend à penser à ce qui est commun à plusieurs choses. Édouard Glissant, par contre, il fait référence à un monde de l'universalité qui peut comprendre toutes les différences, toutes les individualités de chacun d'entre nous sans en manquer une. Quant au rapport entre la communauté et la francophonie, bien sûr, c'est un rapport inégal. Vous pouvez voir sur le diapo une citation qui appartient à Raphaël Confiant, quelques mots qu'il a dit au sein d'un entretien qu'il a donné pour la revue Le Monde en 1992. Bref, il fait une comparaison entre la langue créole et la langue française et vous voyez dans le titre. De l'article, il dit la bicyclette créole ou la voiture française. Je dirais que c'est assez expressif, c'est assez clair, n'est-ce pas? On comprend que, du point de vue utilitaire, instrumentaire, la langue créole n'est pas encore préparée pour produire de la littérature et qu'écrire en créole, c'est un travail ardu. Pour l'écrivain créole d'expression française. Et on voit qu'il reconnaît
qu'il doit se forger son propre outil lorsqu'il écrit en créole en tant qu'écrivain. Quelques mots sur les mythes. Voilà, si on pense des mythes en tant qu'une histoire d'une origine, pour paraphraser Mircea Eliade, on doit, n'est-ce pas, avoir comme prémisse, comme condition, une origine, un état originaire d'une culture, d'un espace culturel. On a vu il y a quelques minutes que cette chose n'est pas applicable dans le cas des Antilles françaises. On a vu qu'une culture a été exterminée, une population d'Afrique, des groupes, enfin, en fait, des populations d'Afrique ont été apportées aux Antilles françaises. Il y a eu lieu un déracinement culturel et après, le processus de colonisation a bouleversé la question originaire des créoles, de la communauté qui est arrivée enfin à être une communauté créole. Alors, on peut pas discuter en fait des origines dans le cas de la créolité. Et c'est pour cela que cette population, ces groupes culturels, a dû se forger ses propres mythes. Dans notre article, on a vu analyser dans quelle mesure les écrivains de la créolité ont emprunté à la culture universelle et à la culture occidentale aussi des mythes, et dans quelle mesure ils ont pu se forger leurs propres. Je ne vais m'arrêter qu'en gros une minute sur trois mythes que j'ai vus comme principaux, comme élémentaires. Le mythe de la création, employé par Simon Schwarzbach dans le roman Pluie et vent sur Télumé Miracle. Dans ce roman, il décrit le processus de création du monde. Il dit que Dieu a créé le monde avec tous ses éléments végétal et animal. Il a pensé qu'il n'a aucun ornement et c'est comme ça qu'il a créé l'homme. Il a créé l'homme et ce qu'il a fait, il a pris la forme des vices. L'homme est arrivé à un point où il était la méchanceté même, l'avarice même. Alors, on peut comprendre en quelque sorte. Et là, que la création est intimement liée dans l'imaginaire créole au processus de colonisation et qu'on peut même en déceler un mythe colon. Après, on voit le mythe de retour qui peut être le retour au pays natal, comme dans le cas d'Aimé Césaire ou de Marie Condé dans le roman En attendant le bonheur, ou le mythe de l'éternel retour métabolisé, employé par Mircea Eliade. Un mythe qui est propre à la littérature antillaise et qu'on rencontre surtout chez Raphaël Confiant, c'est le mythe de la jarre d'or. C'est un mythe littéraire, si on pense un peu à la classification faite par Claude Lévi-Strauss. Strauss, plutôt. Il s'agit dans ce roman du fait que la terre, le sol des Antilles françaises ont été parsemés des jarres d'or. Dans la période de la colonisation, craignant les révoltes, les colons ont enterré toute leur fortune dans ces petites jarres qui après ont été connues comme la jarre d'or. Dans une de ces jarres, on dit, la légende dit, qu'il y a des livres à pouvoir mystérieux. Le protagoniste de ce roman, qui s'appelle Augustin Valbon, c'est un écrivain raté, provient d'une famille bourgeoise, et qui pense, qui souhaite en fait de connaître le succès, un succès retentissant en littérature, en trouvant le jarre qui contient ces livres à pouvoir magique, à pouvoir mystérieux. De ce point de vue, on a analysé aussi la possibilité de l'approche du mythe d'Orphée, peut-être un Orphée noir, pour paraphraser Jean-Paul Sartre.
Puisque au-delà de la situation individuelle de personnage, on peut déceler le sacrifice pour la création qui est entrepris par Augustin Volpin. Pour conclure, et pour récapituler un peu, on voit que, il y a un moment zéro de la culture antillaise et de la culture créole plutôt, qui correspond à l'extermination des Caribéens, des Arawaks. Et alors, cette culture jeune, à mon avis, elle a dû se forger ses propres traditions et mythes, ses propres outils de communication et d'expression littéraire et artistique. Ça a été un travail ardu et il l'est encore pour les écrivains de la créolité. Nous sommes tentés à penser que les mythes littéraires, alors essentiellement littéraires, de cette culture sont en fait relèvent d'une stratégie identitaire qui a été mise en place par les membres de cette communauté pour mieux gérer le conflit identitaire qu'ils ont traversé et qu'on est tenté de penser qu'ils le traversent encore. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez consulter sur le dernier diapo une biographie sélective de ma présentation et que vous pourrez voir aussi un entier dans mon article. Je vous remercie de votre attention. Mulțumim mult, Cristina. Din păcate, mixtura aceasta online-offline parcă prescurtează timpul. Din nou nu vom avea întrebări. Am să invit pe doamna